des prières de feu, des paroles puissantes, des enseignements de qualité, des prières de guérison, des prophéties avec précision, des délivrances en direct, des délivrances de maison, des prières prophétiques, des instructions prophétiques authentiques, la guérison des maladies, des services d'impact, des prophéties internationales. Église Don de Dieu vous souhaite la bienvenue. Il y a Palvin Buna qui dit prophète, localise-moi. Palvin Buna qui. Je suis en train de voir ça dans l'esprit. Et la bonne nouvelle, si on va t'envoyer ça comme par un courrier. Je ne sais pas si c'est un courrier ou un message, mais on va t'envoyer ça comme une lettre. Alléluia. Comme une lettre, une bonne nouvelle. Je te dis la vérité, on va t'envoyer une bonne nouvelle. En 2023, c'est-à-dire l'administration, la vie où tu es là, on va t'envoyer une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute. La carabachete. Après avoir reçu cette prophétie, elle témoigne de son accomplissement. Shalom, papa. J'espère que tu vas bien. Papa, je viens pour rendre témoignage par rapport à la prophétie de mercredi passé. Vous m'avez localisé pendant le live que je devrais recevoir un courrier par la poste. Le courrier là est arrivé hier et c'est un courrier que j'attends depuis la naissance de l'enfant, donc l'acte de naissance de l'enfant. Et le courrier est arrivé dans la soirée d'hier. Je rends gloire à Dieu. Je suis vraiment contente parce que j'ai fait plus d'un an. Donc, 1 an, 7 mois pour attendre ce courrier. Je rends vraiment gloire à Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Le mercredi 4 janvier, papa m'a localisé pendant la prophétie générale, où il a dit qu'il voyait un désert devant moi. Il a prié, brisé le désert. Et puis, il m'a dit qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait cette année 2023. Qu'il y a un courrier qui arrive, que j'attendais depuis longtemps. Et que ce courrier devait arriver par poste, qu'il est en train de voir cette lettre. Et après une semaine, un jour qui est jeudi, le 11 janvier, j'ai reçu cette lettre. Et la lettre était l'acte de naissance de ma fille. Parce que depuis que j'avais accouché l'enfant, a déjà 1 an, 7 mois, c'est où j'ai reçu la lettre là. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et je bénis le Dieu du prophète Lionel. Shalom.